Donc maintenant, on est au rang suivant sur l'endroit du travail. Donc on va commencer avec trois mailles en l'air qui vont compter pour une bride. Et ensuite, on va faire notre bride relief en droit. Là, on va commencer par notre jeté comme d'habitude. On va passer devant le travail. On va piquer à droite de la bride. Passer derrière, ressortir à gauche de la bride. On ramène notre fil et on termine notre bride normalement. Et dans la maille suivante, c'est une bride normale. Donc les brides, le relief se font les unes au-dessus des autres. Et c'est maintenant qu'on va commencer à voir se dessiner ces fameuses colonnes ou lignes verticale en relief. Donc, comme l'effet du point se fait vraiment sur la bride du rang en dessous, au début ça peut être un peu délicat de voir que c'est réellement ça qu'on fait, c'est quand on travaille le rang d'après qu'on voit réellement l'effet. Oups. Je vous montre aussi l'arrière. Sur l'arrière, vous avez à l'inverse donc des lignes horizontales. Hein? Plus vous montez, plus ça va se dessiner. Voilà.